Donc en fait, Arthur, il a trahi Jules juste pour pouvoir faire partie du groupe des popus. Ben ouais, malheureusement, il y en a qui sont prêts à tout pour pouvoir se sentir acceptés et intégrés. Ah ouais, mais c'est un connard d'avoir fait ça à son meilleur pote. Ouais, mais il essaie quand même de faire machine arrière à la fin avant l'arrivée de Thomas. Ah ouais. Ouais, mais on en reparlera après. Salut à toutes et à tous! À l'occasion de la sortie prochainement de Rédemption, la suite de Incapable, nous avons décidé de revenir sur les faux raccords de Incapable avec Jason, notre expert en la matière. Salut Jason! Salut, salut, j'ai pas mal de trucs à dire sur ce film. Tu mens! Bah si, c'est vrai, tiens, on va commencer par les regards cam. Tu sais ce que c'est un regard cam? Que c'est quand on regarde la caméra pendant une scène, je suppose? Oui, enfin, ça reste des suppositions, hein. Et si c'est pas sûr, bon, allez, Jason, on enchaîne là! Oui, bon, c'est bon. Donc du coup, les regards cam. Tiens, j'en ai un bon là. Je vais manger ton âme. Jason! Quoi, t'en veux d'autres? Ben voilà, bam, et un autre, bam! Sérieux, parmi les milliards d'endroits où votre regard peut se poser, fallait que ça tombe sur l'objectif de la caméra! Non mais Jason, t'es dur avec eux. Tu sais, c'est pas toujours facile de faire abstraction de la caméra et de faire comme si elle n'existait pas. Oui, bon, ok, on pardonne ces pauvres figurants qui en plus de ça sont... de vrais magiciens. Quoi? Tu te fous de ma gueule? Comment ça, des magiciens? Regarde ces trois filles qui s'installent ici. Eh bien, sur le plan d'après, zadam, télébordation. Elles ont changé de place, si c'est pas de la magie, ça. Ben, elles ont peut-être changé de place très très vite. T'es con. Ah oui, en une fraction de seconde? Ben, pourquoi pas. Donc là, pareil, tu vas me dire que la surveillante arrive à lever son bras en une fraction de seconde? Là, non, effectivement, ça me paraît peu probable. Assurément. Mais t'as pas autre chose à nous montrer? Du genre, un technicien dans le champ ou un reflet de caméra? Alors non, mais j'ai une perche. Voyez, c'est bon, ça. Oh, ça va, un petit morceau de micro, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Ouais, un petit bout de micro, on va dire ça. C'est quoi ça? Ah oui, gros bout de perche. C'est fou, j'avais jamais remarqué. Moi non plus. J'ai gardé le meilleur pour la fin, parce que lui, si tu l'as pas remarqué, c'est grave. Là, sur ce plan, on peut voir que Jules porte un t-shirt bleu, et sur le plan d'après, bam, il est gris. Ben, il a peut-être changé de t-shirt avant de prendre son ordi. Ouais, c'est ça. Tu as vraiment réponse à tout, hein? Et là, tu vas me dire qu'il a eu le temps de changer de t-shirt? Oh, mais c'est dingue! Ouais, c'est ce qu'on appelle un beau faux raccord. Franchement, bien vu, Jason. Toujours aussi brillant. Bravo. On n'abuse pas non plus. T'es brillant. Si tu veux. Bon, merci Jason pour ces faux raccords et on se retrouvera peut-être pour décortiquer la suite Rédemption. J'espère bien. Allez, salut! Salut! Ah oui, au fait, si vous avez trouvé d'autres faux raccords dans le film, n'hésitez pas à nous les citer en commentaire. Ça doit dire que j'en ai raté. C'est impossible. On verra bien, Jason.